Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni. Et tu es déjà même béni encore. Tu es déjà béni au-delà de toutes choses. Et c'est ce que Dieu va t'expliquer de quelle bénédiction il s'agit lorsqu'il dit que tu es béni. Il va t'expliquer afin que tu puisses savoir ce que tu as et dont tu ignores et tu es encore en train de demander. Ouvre ta Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 14. Que tout le monde ouvre sa Bible, Éphésiens, chapitre 1, verset 3 au verset 14. Bien-aimés, je vais lire. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 au verset 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Waouh ! Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes ces choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis héritier de Dieu? Je suis héritier de Dieu. Dis, je suis héritier de Dieu, le créateur de tout l'univers. Je suis héritier de Dieu, le créateur de tout l'univers. Bien-aimé, avant qu'un problème
arrive, ou avant qu'une situation négative se crée, Dieu avait déjà créé la solution à ça. Amen. 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 Quel que soit les problèmes ou les situations qui existent dans cette terre, dans nos vies, avant que cela n'ait existé même pour la première fois, Dieu avait déjà créé la solution. Peut-être tu ne sais pas qui tu es en Christ. Peut-être tu penses que tu es ce que tu es parce que tu as donné ta vie à Christ ou parce que tu as accepté Christ. Peut-être tu penses que tu es béni parce que tu as prié, tu as dit « Seigneur, bénis-moi ». Un enfant de Dieu n'a pas besoin de prier pour demander à Dieu de le bénir. Lorsqu'il a donné sa vie à Dieu, il sait déjà qu'il est béni. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que dès le moment où j'ai accepté Christ, j'ai reçu tout ce que Christ est venu m'apporter. Dès le moment où j'ai accepté Christ réellement, dors bien, tu vas tomber. J'ai déjà reçu. Dors bien, tu vas tomber. Pousse-toi là-bas. Tout ce qu'il a reçu. Pousse-toi là-bas, tu vas tomber. Bien aimé, il ne faut pas troubler. Il faut muter votre maître, appuyer sur la touche silencieuse. Si vous êtes en train de causer, il ne faut pas troubler. Donc nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que si j'ai réellement accepté Christ dans ma vie, si j'ai réellement accepté Christ dans ma vie, je ne dois plus prier pour être béni, parce que je suis déjà béni. Amen. C'est ce que tu crois que tu vas voir dans ta vie. Lorsque quelqu'un prie Dieu de le bénir, cette personne n'a pas encore compris l'évangile. Cette personne n'a pas encore compris la parole de Dieu. Et cette personne ne pourra pas voir la bénédiction de Dieu manifeste dans sa vie. Parce que cette personne ne va pas comprendre. Ce n'est pas parce qu'on va demander à Dieu de nous bénir qu'il va nous bénir, non. Nous sommes bénis parce que nous sommes bénis au travers du fait qu'on a accepté Christ. Parce que lorsqu'on a accepté Christ, nous sommes devenus des héritiers. De même que Christ était héritier de son Père, Dieu. En acceptant Christ, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Dieu savait que tu devais venir à lui. C'est pour ça qu'il dit ici que tu avais été élu avant la fondation du monde. Est-ce que tu comprends ce que Dieu t'a dit? Que tu as été élu avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois né,
Avant même que tes parents ne soient conçus dans le ventre de leurs parents aussi, Dieu t'avait déjà élu. Mm-hmm. Il ne t'avait pas seulement choisi, mais il t'avait déjà élu. Mm. Il t'avait déjà élu. Il t'avait déjà élu afin que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. C'est pour ça que toute personne qui est vraiment en Christ a la capacité d'être saint, pur et irrépréhensible devant Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà programmé ça avant que la personne ne soit née. Tout ce que nous traversons comme difficulté dans nos vies aujourd'hui, Dieu avait déjà programmé la solution dans nos vies. Amen. En toi, il y a la solution à tous les problèmes que tu réalises. Amen. Comme un monsieur qui a un mariage difficile avec son épouse. Ils sont même séparés avec son épouse. Et il avait programmé aller faire des réunions, des assises, avec sa famille et sa belle-famille, pour essayer de régler le problème. Mais il m'a dit, après le jeûne de 40 jours, Dieu a transformé sa vie, Dieu l'a enseigné et Dieu lui a fait comprendre que non, il n'a pas besoin des réunions avec les familles, les belles familles, que c'est lui-même qui va résoudre son problème, le problème de son foyer. Il dit que Dieu lui a fait comprendre que c'est lui-même qui doit prier pour la délivrance de sa femme. Il a dit que Dieu lui a fait comprendre que non, avant quand sa femme réagissait d'une certaine manière, ça le révoltait. Mais il a compris que non, ce sont les démons qui la dérangent. L'ennemi, c'est ses esprits-là, c'est pas elle. Il a compris que la solution de son problème, c'est en lui. C'est en lui. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. La Bible dit que Dieu est juste. Et il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et que même dans la tentation, il va pourvoir un moyen de sortie afin que nous puissions la surmonter. Ça veut dire que quoi? Quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, bien-aimée, en toi, Dieu a déjà mis le remède pour cette maladie. Amen. Amen. C'est en toi. C'est en toi. Amen. Amen. Le remède pour la maladie qui t'arrive, c'est en toi. Parce que Dieu dit qu'il ne pourra pas permettre qu'une situation, une preuve, soit au-dessus de notre capacité. Il dit que non, il est juste. Il est juste. Il est juste et il ne peut pas permettre. Il ne peut pas permettre. Si tout ce que tu as traversé jusqu'aujourd'hui ne t'a pas tué, amen. C'est parce que tu étais plus fort que ça. Amen. C'est parce que tu étais plus fort que ça. C'est pour ça que ça ne t'a pas tué. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Tu es plus fort que ton problème. Tu es plus fort que ton blocage. Tu es plus fort que ta situation. Tu es plus fort que ta captivité. Si Satan pouvait te tuer, il t'aurait déjà tué. S'il est en train de combattre ta vie, c'est parce qu'il n'arrive pas à te tuer. C'est pour ça qu'il maintenant il veut te rendre misérable. Mais son objectif premier, c'est de te tuer. Mais c'est parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Amen. Il n'arrive pas à te tuer parce qu'en toi, il y a Monsieur la vie. Monsieur la vie. Jésus-Christ, la vie est en toi. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à te tuer. Il ne peut pas. Amen. Ouf. Il ne peut pas. Il ne peut pas. En toi, il y a la capacité de faire tout ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Il essaie, c'est une question de décider. De décider. Je décide que ma vie ne sera pas un échec. Peut-être j'ai commencé dans l'échec, mais je ne finirai pas dans l'échec. Amen. Je décide que ma vie ne sera pas une histoire misérable ou malheureuse. J'ai peut-être commencé dans le malheur. J'ai peut-être commencé comme un misérable, mais je ne finirai pas dans le malheur ni comme un misérable. Parce que le problème doit arriver. Et Dieu savait que le problème devait arriver. Et c'est pour ça qu'il a prévu la solution. Il faut que le problème arrive pour que tu saches qu'en toi, il y avait une solution. Il faut que le combat arrive pour que tu saches qu'en toi, il y avait un guerrier. Tu ne pourras que te découvrir lorsque tu seras face aux échéances. Tu ne peux pas connaître qui tu es en Christ si tu n'as pas de problème, si tout va bien dans ta vie. Tu ne pourras jamais connaître qui tu es en Christ. C'est les épreuves que tu traverses qui te permettent de te découvrir. C'est les épreuves que tu traverses qui te permettent de connaître ton Dieu. C'est les épreuves que tu traverses qui te permettent de savoir ce que Dieu avait prédestiné. La Bible dit qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute sagesse et intelligence. Tu es déjà racheté parce que tu es en Christ. Tu es racheté parce que tu es en Christ. Amen. Et tu as été racheté même avant que tu ne sois né. Parce que la Bible dit, il t'avait prédestiné dans son amour. Donc ça veut dire que ceux qui se perdent, c'est ceux qui ont décidé de se perdre.
qui vont en enfer, c'est ceux qui ont décidé d'aller en enfer. Parce que Dieu lui dit qu'il nous a prédestinés. À être dans la rédemption par le sang de Jésus. Et d'avoir la rémission de nos péchés. Ça veut dire que Dieu n'a prédestiné aucune personne pour aller en enfer. Dieu n'a prédestiné aucune personne pour souffrir. Donc, lorsque tu sais que Dieu t'a prédestiné et t'a donné ces choses, tu comprends qu'il est temps de réclamer certaines choses dans ta vie, qu'il est temps de posséder certaines choses dans ta vie, qu'il est temps de combattre ce qui empêche la manifestation de ce dont à quoi tu as été prédestiné avant ta naissance. Oui. Parce que si j'ai déjà été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ce n'est plus le moment pour moi de demander le travail à Dieu. Mais c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je fais quelque chose qui m'empêche d'avoir le travail? Ou alors, Seigneur, dis-moi, révèle-moi ce que je dois briser et anéantir pour posséder le travail que tu m'as déjà donné, parce que je ne suis plus à l'étape où je dois encore te demander le travail. Parce que le même Dieu a dit dans la Bible, que celui qui ne travaille pas ne mange, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si Dieu dit ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a déjà prédestiné chacun d'entre nous à travailler. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'est plus, à l'heure de demander à Dieu le travail. Mais il est question de combattre pour posséder ce travail que Dieu a déjà prédestiné. Parce que Dieu ne peut pas venir nous juger par rapport à quelque chose qui ne nous a pas déjà donné spirituellement. Si Dieu dit qu'il va, il va nous punir si on ne vit pas dans la sainteté, la sanctification, c'est parce qu'il sait qu'en nous, il y a la capacité de vivre dans la sainteté, la sanctification. C'est pour ça qu'il vient pour punir ceux qui ne le font pas, parce qu'il sait qu'il nous a donné la capacité de le faire. Tout ce dont nous avons besoin, c'est déjà en nous. Mais maintenant, quel est le problème? Le premier problème, c'est que les enfants de Dieu ignorent qui ils sont en Christ. Premier problème, on ignore qui on est en Christ. On ne sait pas qu'on est héritier. On pense que on doit travailler. On pense qu'on doit travailler pour que la bénédiction de Dieu soit manifeste dans notre vie ou pour recevoir la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, vous avez déjà vu quelqu'un qui a travaillé pour être héritier? Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a travaillé pour être héritier? Non. Non. On mérite. On est et on est. On devient héritier par naissance. Alléluia.
On devient héritier par quoi? Par ton naissance. Personne n'est devenu héritier parce qu'il a travaillé. Quand vous allez voir, telle personne est héritier de son père, telle personne est héritier de sa mère, telle personne est héritier. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé. On lui donne quelque chose qu'il n'a pas mérité. On lui donne quelque chose pour laquelle il n'a pas œuvré. Il obtient quelque chose par naissance. Donc le premier problème, c'est que nous ignorons qui nous sommes. On pense que c'est parce que je vais prier que je serai béni. Ah non. Ah non. Je dois connaître la parole de mon Dieu. Que la parole de mon Dieu me dit, si je suis né de nouveau en Christ, je suis déjà héritier, je suis déjà béni. Amen. Et je dois croire à ça, je dois m'agripper de ça. Je vais commencer à vivre dans la bénédiction. Mais si je pense que je dois encore prier, Seigneur, fais de moi ton héritier, Seigneur, fais de moi ton héritier, Seigneur, fais de moi ton héritier. Vous avez vu quelqu'un dans la Bible qui a fait cette prière? Non. Non! Parce qu'ils savaient que dès qu'ils avaient donné la vie à Christ, ils savaient qu'ils étaient déjà héritiers. Ils savaient qu'ils avaient déjà reçu tout ce que Dieu avait prédestiné pour eux. Carrière, ton emploi, tes affaires, ton mariage, les enfants, ton ministère, ta destinée, tu n'as pas reçu ça le jour, tu n'as pas reçu ça quand tu as commencé à prier par rapport à ça, tu as reçu ça, tu as donné ta vie à Christ. Amen. Donc, c'est ça le deuxième problème, le deuxième problème que les enfants de Dieu ont. C'est que ils pensent que ce qu'ils ont obtenu, c'est à cause des efforts qu'ils ont déployés. Ils pensent que ce qu'ils ont obtenu de Dieu, c'est à cause des prières qu'ils ont faites. Ah oui, oui. Dieu ne te donne pas parce que tu pries. Si Dieu nous donnait parce qu'on prie, bien-aimé, si Dieu nous donnait parce qu'on prie, c'est qu'aujourd'hui, nous serons tous morts. Amen. Si Dieu nous donnait parce qu'on prie, c'est qu'aujourd'hui, nous serons tous morts. Parce que quand Dieu nous protège tous les jours, même des situations, sans qu'on ne sache, on n'a même pas prié. Regardez. Il opère des miracles, même sans qu'on ne prie. Il nous sort des situations, même sans qu'on ne s'en rend compte. C'est après un bon moment qu'on se rend compte. Ce n'est pas parce qu'on prie que Dieu nous donne. Dieu nous donne parce que nous sommes ses héritiers. Dieu nous donne parce que nous sommes ses héritiers et non pas parce que nous prions. Amen. Dieu nous donne parce que nous sommes héritiers et non pas parce que nous prions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on prie tous les jours pour demander, mais on ne voit pas se réaliser depuis des années. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'on prie que Dieu nous donne. Mais nous recevons de Dieu par sa grâce.
parce qu'il a fait de nous son héritage. Mais maintenant, où est-ce que la prière intervient? Pourquoi est-ce que nous prions? Nous prions pour que l'héritage que nous avons de notre Créateur, qu'elle puisse être manifeste dans notre vie et que nous puissions nous réjouir de cette dernière, de ce dernier. Comme je vous l'ai dit, le jour que tu es né de nouveau, ce jour-là, la Bible dit que tu as reçu toutes les bénédictions. Donc, quel que soit le besoin que tu as dans ta vie, peut-être c'est dans le domaine de ta carrière, dans le domaine marital, dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine social, dans le domaine matériel, quel que soit le besoin que tu as reçu déjà cela le jour où tu es né de nouveau. Mais maintenant, tu ne vois pas ça manifeste dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne te l'a pas donné. Mais c'est parce que il y a maintenant un combat spirituel qui est réel. Et c'est là où maintenant la prière intervient. Un combat spirituel qui agit à deux niveaux. Premier niveau, le combat spirituel à l'intérieur de nous, lorsque notre chair combat notre esprit, lorsque les désirs de notre chair combattent la volonté de notre esprit, et le deuxième combat spirituel, lorsque des personnalités satanique ou des puissances ou des esprits démoniaques prennent possession de ton héritage et font de cela leur bien. C'est pour ça que beaucoup de gens, le jour du jugement, Quand ils vont voir Dieu, ils vont dire, Seigneur, vraiment je suis fâché contre toi, hein, parce que vraiment, quand j'étais sur terre, je sais que tu as fait quand même beaucoup de bonnes choses, mais il y a quelque chose que je t'ai demandé là que tu ne m'as jamais donné. Mais Dieu va te dire que, mais mon fils, ma fille, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, je t'avais donné cette chose. Tu as dit que, mais Seigneur, comment tu dis que j'ai reçu ça le jour où je suis né de nouveau, alors que je n'ai jamais pu voir ça, je n'ai jamais pu me réjouir de ça. Dieu va te dire, le problème c'est que je te l'ai donné, mais quelqu'un d'autre a possédé cela. Quelqu'un d'autre a possédé cela. Tout ce que tu manques dans ta vie, en réalité, spirituellement, nous ne manquons de rien. Parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça veut dire que spirituellement, nous n'avons aucun besoin, aucun manque. Physiquement, nous avons des besoins, des manques. Pourquoi? Parce que notre héritage a été détourné.
Et c'est là où maintenant la prière intervient. Donc lorsque je prie, ce n'est pas pour que Dieu me donne l'héritage. Mais lorsque je prie, c'est pour combattre tout ce qui m'empêche d'avoir accès à l'héritage que Dieu m'a donné le jour où je suis né de nouveau. Ça, tu comprends bien, aimé. Amen. Voilà. Voilà où intervient la prière. C'est pour ça que, la Bible dit dans Matthieu 7, Jésus dit, demandez, on vous donnera. Tu as demandé, on t'a donné. Dieu t'a déjà donné. Quand tu es né de nouveau, il t'a donné. Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a donné tout ce que tu pouvais demander. Les choses que tu demandes même de nouveau tous les jours, là, Dieu t'a déjà donné ça le jour que tu es né de nouveau. C'est pour ça que la Bible a dit que demandez, on vous donnera. Maintenant, Jésus-Christ a dit, ne t'arrête pas à demander. Parce que tu peux demander, on te donne. On peut te donner quelque chose. Mais jusqu'à là, tu n'as pas fait entre tes mains. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit quoi? Il faut maintenant faire quoi? Après avoir demandé. Demandez, l'on vous donnera. Voilà. Ce matin, Dieu te dit que tu as déjà reçu tout ce que tu peux demander dans toute ton existence. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Oui, amen. Mais voilà. Amen. Parce qu'il faut croire. Parce que ce que tu ne crois pas, tu ne vas pas voir ça dans ta vie. Ce matin, Dieu te dit que parce que tu es né de nouveau, le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu héritier ou héritière. Donc tu as hérité, donc tu as eu tout ce que tu pouvais demander ici pendant toute ton existence. Amen. Deuxième chose maintenant, il dit, je peux te donner quelque chose. Mais en même temps, je te donne quelque chose, mais tu ne vois pas ça. C'est pour ça qu'il faut maintenant passer à la deuxième étape. Il faut chercher. Tu cherches, tu vas trouver. Tu cherches quoi? Tu cherches ce qu'on t'a donné. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit maintenant chercher, Jésus est en train de dire maintenant, tu n'es plus en train de chercher quelque chose de nouveau. Tu cherches ce que tu as demandé et que Dieu t'a donné. Dieu t'a déjà donné tout ce que tu as besoin ici sur terre. Dieu t'a déjà donné les connexions divines que tu as besoin. Il t'a déjà donné le mari, la femme que tu as besoin. Il t'a déjà donné les enfants que tu as besoin. Il t'a déjà... Mais lorsqu'une femme... Lorsqu'un couple n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Je cherche l'enfant, n'est-ce pas? Ils cherchent. On cherche quelque chose qu'on connaît et qu'on a déjà reçu. On ne cherche pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, maintenant, quand tu as demandé, tu as reçu à travers ta nouvelle naissance. Maintenant, tu passes à la deuxième étape. Tu as demandé, tu as reçu, tu dois croire que tu as reçu. Maintenant, tu passes à la deuxième étape. Tu dois chercher. Tu dois chercher ce que Dieu t'a donné. Si Jésus-Christ a dit chercher, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il va nous donner, on ne va pas voir.
ou ça va se perdre. Plusieurs d'entre nous, nous avons perdu certains biens. Souvent, tu égares ton porte-monnaie, tu égares tes clés, tu égares tes choses. Après, tu cherches et tu trouves, n'est-ce pas? Cherchez et vous trouverez. Voilà où la prière commence à travailler. Donc, je ne prie pas pour que Dieu me donne, mais je prie pour retrouver ce que Dieu m'a déjà donné quand je suis né de nouveau. Amen. Amen. Voilà. Voilà la conception. Et Jésus-Christ dit, si tu cherches maintenant, tu ne trouves pas. Si tu cherches, tu ne trouves pas. Vous savez, je peux chercher quelque chose dans ma maison. Et je fouille toute ma maison. Et je me rends compte que peut-être j'ai perdu mes clés. Et je fouille toute ma maison et je me rends compte que vraiment, il n'y a pas mes clés dans cette maison. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai déjà l'assurance que mes clés que je cherche, ce n'est pas dans ma maison. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je réfléchis. Si je suis passé devant la maison de quelqu'un, je m'en vais maintenant cogner dans cette maison pour les demander, est-ce que vous n'avez pas mes clés là-bas? Quand la Bible dit frappez, frappez, on vous ouvrira. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines de tes choses qu'on t'a données qui n'est pas dans ta maison, c'est dans la maison de quelqu'un d'autre. Et tu dois les frapper pour qu'on ouvre la porte, pour que tu récupères ce qu'on t'a donné. C'est ça le combat spirituel externe. Le combat spirituel interne, c'est lorsque tu cherches où dans ta maison, dans ta vie, tu ne trouves pas. Maintenant, tu vas dans le combat spirituel externe, tu cherches où? Dans la maison d'autrui. Hein? Tu passes secouer les maisons des marabouts là, qui t'ont envoûté. Tu passes secouer les calebasses de la sorcellerie là, où on t'a enfermé. Tu pars cogner la porte là-bas. Remettez-moi mon mariage. Remettez-moi ma destinée. Remettez-moi ma santé. Remettez-moi mon succès. Voilà où la prière intervient. Voilà où la prière intervient. Voilà la définition de demander, chercher et cogner et frapper. On vous ouvrira. Parce que lorsque tu viens frapper la porte, où il y a ta chose, la personne est obligée d'ouvrir la porte, spirituellement. C'est pour ça que lorsque tu te lances dans le combat, lorsque tu te lances dans la prière, tu ne vas pas demander, non, tu pars récupérer ce qui t'appartient. Donc, le problème n'est pas le fait que Dieu ne m'a pas donné ceci, Dieu ne m'a pas donné cela, Dieu ne m'a pas donné... Non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne connais pas qui je suis, premièrement. Deuxièmement, je ne cherche pas ce que Dieu m'a donné. Troisièmement, je ne peux pas frapper à la porte pour qu'on ouvre et qu'on me donne ce qu'on m'a volé, ce qu'on a détourné, ce qu'on a bloqué dans ma vie. C'est ça la définition de Matthieu 7:7. Demande, on va te donner. Cherche, tu vas trouver. Frappe, on va t'ouvrir. Ta carrière est quelque part.
Mais ce n'est plus dans les mains de Dieu. Les enfants que tu as besoin, c'est quelque part, ce n'est plus dans les mains de Dieu. La bénédiction que tu as besoin, c'est quelque part, ce n'est plus dans les mains de Dieu. Le mariage que tu as besoin, ce n'est plus dans les mains de Dieu, c'est quelque part. Il faut aller chercher. Il faut aller frapper la porte. Et récupérer. Amen. Alléluia. Sans ça, tu vas passer toute ta vie à dire, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Alors que voilà Dieu qui dit dans Éphésiens 1, que avant que tu ne sois même né, il t'avait déjà béni de toutes sortes de bénédictions, même avant la fondation du monde. Et tu es encore en train de demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Moi, je ne prie. Il y a des prières que j'ai cessé de faire quand Dieu m'a fait comprendre sa parole. Amen. J'ai cessé de demander à Dieu de me bénir quand j'ai compris que j'avais déjà tout reçu et que maintenant je dois combattre pour posséder ce qui m'appartient. Amen. Je dois combattre pour détruire ce qui est dans ma vie, qui m'empêche d'être dans la position que je dois être pour recevoir. Parce que quelqu'un qui est encore sous les malédictions, il ne sera pas dans la position qui va lui permettre d'acquérir son héritage. Quelqu'un qui est encore dans les envoûtés, qui est encore envoûté, il ne sera pas dans la position qui va lui permettre d'avoir accès à son héritage. Quelqu'un qui est encore dans les liens ancestraux, quelqu'un qui est encore attaché, quelqu'un qui est encore dans les calebasses de la sorcellerie, quelqu'un qui est encore enterré spirituellement, quelqu'un qui est encore dans les captivités de Satan, dans les prisons spirituelles, quelqu'un qui est encore emprisonné dans des péchés, dans des iniquités qu'il pratique tous les jours. De telles personnes ne seront jamais à la position qui doit être pour vivre, pour avoir accès à leur héritage. Et ces personnes vont passer leur temps à se repentir et à demander à Dieu de me donner, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais la fin n'est pas de donner, on a déjà tout reçu. Amen. Il est temps de combattre ce qui t'empêche d'être dans la position que tu dois être. Ça peut être ta vie de péché. Ça peut être ta vie de péché qui t'empêche d'être dans la position que tu dois être. Et ce péché peut être quoi? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ton caractère. Ça peut être ton comportement, ta personnalité, ta manière de faire, ta manière de vivre. Ce péché peut être quelque chose que tu pratiques, consciemment ou inconsciemment. Quelque chose que Dieu te dit d'arrêter, mais tu continues à faire. Une telle chose t'empêche d'être sur la position que tu dois être pour avoir accès à ton héritage. Le péché, c'est la première chose qui nous empêche d'être sur la position qu'on doit être. La désobéissance. Ton péché peut être la désobéissance, la rébellion envers Dieu ou la légèreté dans les choses de Dieu, dans ta vie chrétienne, ou la cupidité. La cupidité, tu ne donnes pas à Dieu, tu es cupide. Ou le manque d'amour, tu es dans les haines, tu es dans les jalousies, tu es dans les médisances, tu es dans les commérages. Tous ces péchés-là, ça t'empêche d'être à la position que tu dois être pour avoir accès à ton héritage. La colère. Oui, la colère. Les animosités. L'amertume constante dans le cœur, la tristesse. Tout ça, ce sont les péchés, la peur, la crainte. On a peur des gens, on a peur des sorciers, on a peur des choses, on a peur. Manque de prière, manque de méditation de la parole de Dieu. Tout ça, c'est le péché
Le péché, c'est la première des choses qui t'empêche d'être à ta position pour recevoir de Dieu. La deuxième chose qui t'empêche d'être dans ta position pour recevoir ton héritage, pour avoir accès à ton héritage, parce que tu es déjà héritier ou héritière, la deuxième chose qui t'empêche d'être à ta position pour avoir accès à ton héritage, tes fondations familiales, tes fondations familiales. Certaines personnes pensent qu'ils vont faire une prière et ils vont sortir de la maison de leur père. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère, sors du pays où ils habitent. Non seulement tu sors de leur maison, sors du pays où ils habitent. Abraham est sorti de la maison de son père. Il est sorti du pays de la maison de son père. Jusqu'à là, sa vie n'a pas changé. La Bible dit, c'est quand le père d'Abraham est mort. C'est quand le père d'Abraham est mort que la vie d'Abraham a changé. Tu penses que tu vas faire une seule prière. Et ça va te faire sortir de tes fondations familiales qui ont été bâties pendant des décennies, pendant des siècles. Bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Actes. Actes chapitre 7. Peut-être tu penses que dès que Abraham est sorti de la maison de son père, de sa mère, sa vie a changé. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Actes chapitre 7. Est-ce que quelqu'un a la page? Oui. Actes chapitre 7, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset, disons, bon, allons-y jusqu'au verset 5, c'est bon, allons-y jusqu'au verset 5, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce temps, en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Amen. Amen. Oh ouais. Dieu a compris qu'Abraham, là, Abraham ne peut pas aller loin s'il n'a pas vaincu les fondations, ses fondations familiales. De ce qui détruit la vie des gens aujourd'hui, c'est leur fondation familiale. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu que vous voyez qui s'éteignent en chemin, c'est les fondations familiales qui les ont abattus. Ça s'en fout de ton onction. Ça s'en fout de ta position en Christ. Ça s'en fout de tes... Tu ne combats pas cela, ça va te renverser. Abraham est sorti de la maison, il est sorti de sa famille. Il est sorti de son pays. Il a failli que son père meure. Il a failli que ce qu'il a pris de sa famille qui était dans sa vie. Il a failli que ça meure d'abord, avant que maintenant Dieu le bénisse. Parce que pour Dieu, c'est un gaspillage
d'utiliser quelqu'un qui n'a pas encore vaincu les formations familiales. Parce que Satan va renverser la personne. Oui. C'est ce qui combat, bien-aimé. Voilà ce qui nous empêche d'entrer, d'avoir accès à notre héritage, nos fondations. Tu dis que je suis né de nouveau, je suis en Christ. Tes fondations viennent te dire que non. Ton père est un pécheur, ta mère est un pécheur et tu seras pécheur. Tu vas dire, je suis en Christ et je serai fidèle. Tes fondations vont te dire, ton oncle était infidèle, tu seras infidèle. Oui. Tu vas dire, je suis en Christ, je vais me marier. Tes fondations vont dire, ton arrière-grand-mère ne s'est pas mariée, ta grand-mère ne s'est pas mariée, ta mère s'est mariée et puis elle a divorcé. Et toi, tu veux te marier, tu ne te maries pas. Tu as vu tes cousines, tu as vu tes cousins, est-ce qu'ils sont mariés? Et toi, tu penses que tu vas venir te marier? On va voir ça. Les fondations familiales, c'est comme ça qu'ils parlent spirituellement. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, je veux le travail. Tes fondations familiales disent, personne dans cette famille n'a jamais eu ce genre de travail que tu veux là. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir briser la norme. Bloquez-le. Bloquez-la. Seigneur, je suis en Christ, je veux accoucher. Tu es en Christ, tu veux accoucher. Mais tu ne vois pas, tes cousines sont stériles. Tu ne vois pas, tes cousins sont stériles. Tu ne vois pas, tes oncles sont stériles. Et toi, tu dis que tu vas accoucher. Tu es malade. Voilà comment les fondations de ta famille, ça parle contre ta vie. Si tu n'as pas vaincu les fondations de ta famille, tu ne peux pas aller loin. Tant que tu n'es pas délivré totalement des fondations familiales, tu seras une victime. C'est pour ça que les gens qui disent que j'ai donné ma vie à Christ et Christ et je suis délivré parce que Christ m'a délivré sur la croix, moi j'ai pitié de eux. J'ai pitié de ces gens-là. Parce que quand tu regardes ces gens-là, leur vie commence à bien aller. C'est 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais lorsqu'ils atteignent le sommet de la montagne, vous voyez quelque chose se passe. Ils se retrouvent à zéro. Et c'est là qu'ils comprennent que les fondations peuvent dormir. Mais tant que tu ne les as pas tués, ils vont se réveiller un jour. Les fondations familiales. Voilà ce qui t'empêche d'être sur la position que tu dois être pour avoir ce que tu dois être. Ça te fait comprendre que ce que tu demandes à Dieu là, tu as déjà reçu ça. Mais maintenant, tes fondations parlent contre ce que Dieu t'a donné. Et ça empêche que tu aies accès à ça. C'est pour ça que tu dois rediriger tes prières vers le réel ennemi. Certaines personnes ne sont pas dans la position qui leur donnera accès à leur bénédiction. À cause de quoi? À cause des malédictions. Ils sont sous des malédictions. Tu te bats pour faire des affaires. Parce que tu es dans la malédiction de la pauvreté. Quelque chose se passe, tu tombes en faillite. Pourquoi? Parce que monsieur pauvreté est là. Certaines personnes, c'est parce qu'ils sont envoûtés. Certaines personnes ont fait les incantations contre eux tous les jours. Ils sont attachés, ils sont ligotés, ils sont enchaînés spirituellement. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à jouir de l'héritage qu'ils ont.
des choses que tu peux demander à Dieu, c'est peut-être, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, montre-toi à moi. Seigneur, fais-moi expérimenter peut-être ceci dans ta présence. Voilà les choses peut-être que tu peux dire que bon, tu peux demander à Dieu. Mais les choses qui ont trait à tes besoins dans ta vie là, tu as déjà reçu tout ça. Tu dois seulement combattre. Demander à Dieu, Seigneur, pourquoi ici ça bloque encore? Pourquoi ici ça bloque encore? Pourquoi ici ça bloque? Tu as dit qu'on doit prospérer. Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi je suis encore pauvre? Tu as dit qu'on doit être en santé. Pourquoi, Seigneur, je suis encore malade? Parce que je sais déjà que j'ai la santé, mais qu'est-ce qui me rend encore malade? Seigneur, tu as dit que ce n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Pourquoi je suis encore célibataire, Seigneur? Qu'est-ce qui me maintient dans le célibat? Seigneur, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur, je sais que tu as déjà prédestiné le travail pour moi, mais qu'est-ce qui me maintient dans le chômage? Qu'est-ce qui bloque mon évolution dans mon travail? Qu'est-ce qui bloque ma promotion? Qu'est-ce qui bloque mon ministère? Qu'est-ce qui bloque mon appel? Je sais que tu m'as appelé à te servir. Tu m'as appelé à faire des grandes choses. Mais qu'est-ce qui bloque mon appel? Qu'est-ce qui bloque ma destinée? Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Je sais que tu m'as déjà donné. Qu'est-ce qui bloque? Parce que si tu passes ton temps à faire les prières de supplication, quand tu supplies Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Et c'est pour ça que Dieu a déjà exaucé au moins plus de 70% de nos prières. Tout enfant de Dieu, Dieu a déjà exaucé au moins plus de 70% de ses prières. Mais maintenant, la personne ne voit pas l'exaucement. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé avec Daniel. Voilà un bon exemple. Alléluia. La Bible dit, Daniel a jeûné, il a prié pendant 21 jours. Lorsque l'ange Gabriel arrive avec ce que Daniel a demandé à Dieu, l'ange Gabriel dit à Daniel que le jour où tu as résolu dans ton cœur de faire cette demande à Dieu, Dieu m'a envoyé. Mais j'étais bloqué par le prince de Perse. Monsieur Daniel, quand il priait pendant les 21 jours, il disait, Seigneur, exauce-moi, 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 exauce-moi. Et Dieu était au ciel, il disait, mais Daniel, avant que tu ne commences même à jeûner, avant que tu ne commences à prier, je t'avais déjà exaucé. Est-ce que tu comprends maintenant le combat spirituel? Un chrétien qui ne fait pas le combat spirituel, j'ai pitié de lui. Que la grâce de Dieu l'aide. Dieu a exaucé la prière de Daniel avant qu'il ne commence à prier, avant qu'il ne commence à jeûner. Dieu a exaucé la prière de Daniel. Dieu a donné à Daniel ce que Daniel a complètement résolu son cœur. Mais Daniel a fait un jour sans avoir ce que Dieu lui a donné. Maintenant, tu comprends qu'il faut chercher, il faut faire. Alléluia. Amen. Il faut chercher, il faut frapper. Amen. Daniel a commencé à chercher. Il n'a pas trouvé. Il a commencé à frapper. Et le prince de Perse qui bloquait les ossements de Daniel là-bas. Quand Daniel a commencé à frapper, Dieu a dépêché le chef de l'état-major, l'archange Michel, pour aller frapper le roi, le prince de Perse.
le libérer. L'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel est venu avec la bénédiction, avec l'héritage de Daniel. C'est pour ça que tu dois, souvent tu dois te lever la nuit. Souvent tu dois te lever à minuit. Et tu commences à prier violemment. Que toute personne qui a mon héritage entre ses mains reçoit le jugement de Dieu. Tu pries ça jusqu'au matin. C'est ça chercher. C'est ça chercher. Les mondains sont en train de se moquer de toi. Parce qu'ils ont des choses que toi tu n'as pas. Alors que toi tu es héritier. Et ceux qui se moquent de toi, c'est ceux qui t'ont mis dans la condition où tu es. C'est ceux qui viennent te piller spirituellement. C'est ceux qui viennent te dépouiller spirituellement. Ils viennent se moquer. Que tu es né de nouveau, non? Tu es né de nouveau, non? Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Regarde comment tu souffres. Tu es né de nouveau, non? Ah, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut chercher. L'étape de chercher et frapper, c'est l'étape où tu pars combattre, tu combats contre ta chair, parce que c'est le premier combat spirituel, le désir de ta chair, tu combats, tu as le dessus, tu vaincs cela, après tu pars combattre contre maintenant les attaques externes, telles que tes fondations, les fondations de ta famille, les puissances démoniaques qui combattent ta destinée, comme ça a combattu la destinée de Moïse, la destinée de Samson, la destinée de Jésus, la destinée de toutes ces personnes qui étaient appelées à un grand avenir. Parce que sache que la raison pour laquelle tu souffres, c'est parce que ta destinée est grande. C'est pour ça que ta vie n'est pas facile. C'est pour ça que ta vie n'est pas facile. Toute grande destinée a un jumeau. Le jumeau de toute grande destinée, c'est les grands problèmes. C'est les grandes souffrances. Il n'y a pas de grande réussite sans grande épreuve. Il n'y a pas de grande bénédiction sans grand combat. Il n'y a pas de grande percée sans grande adversité. Il n'y a pas de grand succès sans grand obstacle. Le jumeau de ta grande destinée, c'est le grand problème. C'est le grand problème. Et Jésus a dit, soyez dans la paix, car j'ai vaincu le monde. Amen. Soyez dans la paix. Amen. Il y aura les tribulations, mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Parce qu'il est temps que ton héritage revienne entre tes mains. Amen. Le temps où tu demandais à Dieu, c'est fini. Parce que Dieu t'a dit ce matin, lorsque tu as donné ta vie à Christ, si tu as réellement donné ta vie à Christ, Dieu t'a dit ce matin que tu as déjà tout reçu. Amen. C'est la raison pour laquelle, si tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Christ, c'est une perte de temps de faire les prières de combat ou de délivrance. C'est une perte de temps. Parce que certaines personnes, souvent, ils ne comprennent pas. Ils vont dire peut-être, ah,
celui-là peut-être il est méchant. Comment il dit, comment il voit que je souffre, il dit que je dois d'abord donner ma vie à Christ avant qu'il prie pour moi. Et non, parce que c'est la perte du temps. Tu n'es pas héritier. Tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu n'es pas encore héritier. Et si tu n'es pas encore héritier, tu n'as rien de Dieu. Et on va prier pour délivrer quoi? On va prier pour délivrer quoi? Tout ça que si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, réellement, il faut le faire. Donner sa vie à Christ, ce n'est pas seulement une affaire que je crois en Jésus. La Bible dit que même les démons croient. Ils tremblent même. Ils craignent Dieu. Ce n'est pas parce que tu crois que tu as donné ta vie à Christ. Donner sa vie à Christ, c'est vraiment s'abandonner à Dieu et prendre la résolution de vivre selon les commandements de Dieu, selon ce que Dieu veut pour le restant de sa vie. Amen. C'est de devenir disciple de Dieu, c'est-à-dire discipliner sa vie par la discipline de Dieu. C'est ça, être né de nouveau. Ne plus vivre selon ses désirs, ses préférences, ses pensées, mais vivre selon les pensées, les désirs et les préférences de Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Et devenir l'ennemi numéro un du péché. Amen. Et l'ami est le meilleur ami de l'obéissance absolue. Parce que quand tu n'as pas donné ta vie à Christ, les prières de combat que tu fais, ça va plutôt ajouter ton calvaire.